Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 15e, les versets 26 à 27, et le chapitre 16, les versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Très chers amis auditeurs du dimanche chez vous, très chers bien-aimés, nous célébrons ce week-end la Pentecôte. Contrairement aux autres dimanches, nous n'aurons pas que 4 textes à méditer, mais 5, car sera comptée la séquence. C'est ainsi que les textes de méditation seront tirés du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2e, les 11 premiers versets, le psaume 103, et la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, au chapitre 5e, les versets 16 à 25, la séquence, il va sans dire, d'invocation à l'Esprit-Saint, suivie de la proclamation de l'Évangile de saint Jean, au chapitre 15e, les versets 26 à 27, et le chapitre 16e, les versets 12 à 15. De prime abord, la première lecture nous donne d'entrer dans le cadre étymologique du concept Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Lorsque, dès le départ, saint Luc dit « Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques », certains exégètes se plairont à dire de la Pentecôte être le fruit mûr de Pâques. En effet, la Pentecôte juive, autrement appelée Shavuot, était la fête de la récolte. Après la célébration de Pâques, les Juifs célébraient la joie d'avoir récolté les fruits mûrs, les fruits magnifiques. Le Christ Jésus vient instaurer une Pentecôte nouvelle. Si l'ancienne Pentecôte n'était que à compter 50 jours après la célébration de Pâques, tout comme il en sera du carême au quadragésime à 40 jours, mais là on pose 50 jours. 40 jours après la résurrection, nous avons célébré l'ascension. Et au terme d'une nouvelle à l'esprit, le 50e jour Pentecôte, nous célébrons, ils célébraient, les Juifs, la récolte, la fête de la récolte, mais le Christ vient révolutionner les choses. Il envoie le Saint-Esprit, tout comme promis. Les apôtres réunis, ils sont rassemblés dans une maison. Cette maison est anonyme, comme pour dire que la Pentecôte est à vivre dans chacune de nos maisons. Mais plus encore, loin de n'être que dans les maisons bâties de main d'homme, la Pentecôte se veut d'être vécue dans le cœur de tout un chacun. Le lieu même où repose le Saint-Esprit, le lieu même où le Christ se veut de nous parler. L'Esprit
trouve place, il se trouvait là, réuni. Et nous nous rappellerons que là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, nous rappellera le Christ Jésus, je suis au milieu d'eux. C'est ainsi que sa présence absente se révèle d'autant plus puissamment avec l'effusion du Saint-Esprit. Et Luc, dans son explication de cette scène, fait montre d'une certaine euphorie, d'une extase, d'un certain émerveillement. La situation est inédite. Il est difficile d'expliquer ce qui se passa ce jour-là. Et ça, nous le constatons dans sa narration. Une narration telle que ça le dépasse. Il voudrait expliquer. Il parle de langue, il parle de feu, il parle de quelque chose qui se distribue sur chacun de ceux qui sont là réunis. C'est ainsi dire que la situation dépassait leur entendement. La conséquence logique de l'effusion du Saint-Esprit, c'est la rupture du silence. Non pas une rupture en vue de parler pour parler, mais en vue de proclamer la vérité dans la langue de tous ceux qui sont là. C'est ainsi que nous devons relever cet équivoque. La Pentecôte, ils parlèrent d'autres langues. Lorsqu'on dit ils parlèrent en langue, la tendance aujourd'hui, c'est d'entrer dans cette divagation de didido, dadadi, ces trans-là qui sont incompréhensibles. Au contraire, la Pentecôte se veut être la célébration de langue des autres. Parvenir à parler la langue de l'autre, parvenir à apprendre, à communiquer en la langue de l'autre, se veut et se révèle être le travail et le rôle de l'Esprit Saint, qui se révèle être, selon Luc, source d'unité dans la diversité. Il y a lieu, en partant des mots des Actes des Apôtres, poser la Pentecôte comme étant la journée internationale du langage, pourquoi pas, ou des langues vernaculaires, ou des langues étrangères, enfin de la langue qui n'est pas la mienne, parvenir à célébrer en la langue de la personne de l'autre. Dans la deuxième lecture, on posera les fruits de l'esprit. Saint Paul entre dans un dualisme, ce dualisme éternel et qui demeure authentique. La lutte, ce combat qu'il y a en l'être humain, selon qu'il est fait de chair ou alors d'esprit. Or, nous avons médité tout au long de cette semaine l'épopée de Saint Paul dans sa geôle quant à apparaître devant le grand tribunal. Les Sadducéens qui ne crurent point en l'existence des anges, en l'existence de l'esprit, en une certaine résurrection, ils ne crurent pas pendant que le groupe des pharisiens croyait en cela. Et ce débat se perdure aujourd'hui encore. D'aucuns ne croient pas en l'esprit humain, d'autres ne croient pas en l'esprit divin, le roi, on se limite au pneuma, donc le simple souffle, alors qu'il y a par-delà tout le roi, cet esprit qui était là au commencement, cet esprit qui se veut créateur. Et donc, Saint Paul relève ce duel-là qu'il y a en chacun de nous. Et il dira même d'ailleurs que de la chair, il relève 15 mots qui minent la chair, tandis que de l'esprit, il ne relèvera que 9 qualités qui sont là. La tendance est de se dire, est-ce que la chair ne domine pas plutôt que l'esprit? Il le dira d'ailleurs plus tard, la chair est faible, l'esprit est fort. Et de ce débat ou de ce duel, le 9 n'est pas anodin, il paraît petit comme chiffre, mais c'est quand même carré parfait de 3 au carré. C'est le chiffre de la perfection, c'est 3 fois 3. Il dit, les fruits de l'esprit ne peuvent être quantifiés et quantifiables. C'est ça qui nous donne de comprendre. Et il va de chacun de nous de nous battre à ce que l'esprit perdure son œuvre. Les mots de Saint Paul, dans la deuxième lecture, se veulent tout à la fois être des directives que Saint Paul donne, être des conseils aussi, mais par-delà tout, une mise en garde préventive. Et finalement, la révélation de cet éternel duel. Nous sommes appelés à mener ce combat de la chair, à croire que l'esprit agit
au-dedans de nous et en chacun de nous. En l'évangile de ce jour, le Christ Jésus parle au futur. Comme qui dirait, il nous implique, nous aussi, les apôtres de l'aujourd'hui, lorsque j'enverrai vers vous l'Esprit qui parle, l'Esprit du Père, l'Esprit qui agit de par moi, en chacun de vous. Cet Esprit qui m'envoie, il parle au futur, disais-je, parce qu'il ne parle pas que de ses apôtres d'hier, mais aussi des apôtres de l'aujourd'hui que nous sommes. Quand viendra ? Cette expression revient plusieurs fois, deux fois de suite, il dira « quand viendra ?» Mais il parle de l'Esprit en termes de paraclet, en termes de paraclet, en termes de défenseur. Et là, c'est pour revenir encore au mot de saint Paul qui parle déjà de ce combat. Le défenseur, on prend en ligne de compte que c'est un combat que nous sommes appelés à mener sur la terre des hommes, ce combat éternel, ce combat de tout temps. Il est le paraclet. Les combats, ce n'est pas nous qui les menons, ce n'est pas nous qui les gagnons, mais le Christ Jésus, par son Esprit, les gagne et les vainc. Oui, en effet, cet Esprit nous mène au combat et nous donne de les gagner. Nul n'est besoin de nous mettre à avoir peur. Mais là aussi, si nous faisons un peu attention, nous remarquerons qu'il identifie l'Esprit lui-même, Christ Jésus. C'est l'Esprit de vérité. Il l'identifie comme étant l'Esprit du témoignage. Il l'identifie comme étant l'Esprit des apostolos, ceux qui sont envoyés de par les lieux. Ils sont imbus de cet Esprit-là. Il l'identifie comme étant l'Esprit qui crée le cadre relationnel. Il révèle dans l'Évangile combien la relation trinitaire de communion, qui n'est pas une relation de division, mais une relation de communion, une relation de compénétration, une certaine synérèse, diront les théologiens, comme qui dirait, il y a impossibilité de cassure. Et nous revenons dans la prière qu'il a eu à élever déjà tout au long de cette semaine, au cours de laquelle nous entendions « Ut nunc sint, qu'ils soient tous un ». C'est ainsi que la séquence se veut être d'invocation, de convocation. Tout au long de cette séquence qui se fait en distrophe de tercet, autrement dit de trois vers chaque strophe, chacune, et d'abord et avant tout une invocation. Le concept « vient » reviendra cinq fois. Mais outre le concept « vient », il est cette séquence est une demande. Nous demandons au-dedans de nous, autour de nous, que l'Esprit-Saint agisse, que l'Esprit-Saint se manifeste. On dit quatre fois de suite « donne-nous cet Esprit ». Pourtant, une seule fois, tout au long de cette séquence, le concept « Esprit-Saint » est prononcé comme si on avait peur, non pas peur, mais comme si la géographe ne se voulait pas de prononcer le nom, comme il en sera déjà dans le milieu juif, le nom de Dieu ne se devait de pas être prononcé. Alors, viens Esprit-Saint, viens, les mots autour duquel reviendront aussi le psaume 103 de méditation. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Alors, très chers amis, tout au long de cette Pentecôte à célébrer, à vivre au-dedans de nous, il nous faut nous poser la question de savoir quel regard as-tu de la personne de l'autre qui n'est pas de ton ethnie, qui n'est pas de ta tribu, qui n'est pas de ton pays, de ta race. Est-ce que tu parviens à découvrir la richesse que le Seigneur a eu à mettre en la langue de l'autre, en la culture de l'autre, en ce qu'est la personne de l'autre? Que le Seigneur donc nous aide à ce que par nos langues, nous puissions non pas vibrer du tribalisme, mais d'une certaine tribalité, que nous parvenions à découvrir ce qu'il a enfoui dans la personne de l'autre. Alors que l'Esprit descende sur chacun de vous, que l'Esprit descende sur chacun de nous, Seigneur, nous t'implorons pour tous ceux et celles qui nous entourent, pour tous ceux et celles qui sont autour de nous, afin que ton Esprit les guide, afin que ta volonté les guide, afin que ta grandeur se fasse montre. Très cher, amis du dimanche, chez vous, bonne fête.